Bonjour à tous et à tous dans ce nouvel épisode de SimCity. J'espère que vous allez bien, tous mes petits pandas. Aujourd'hui, on est là pour ce cinquième épisode. Oh yes, c'est le cinquième. Et cette fois-ci, on est tout seul, malheureusement, puisque Chloé n'est pas là. Donc, pas de Madame Pato. Madame Chloé pour cet épisode. En tout cas, on va essayer de gérer quand même, puisque... Faut le dire. On a géré la dernière fois. Donc... Cette fois-ci, on est toujours à 2700 par 9700 par heure. C'est méga bueno. En fait, ce qu'on va voir, c'est que, regardez, par rapport au dernier épisode, on a des riches partout. Et ça construit. Et c'est méga bueno. Donc, en tout cas, là, c'est ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre une station d'épuration. Puisque je suis en train de voir que... c'est pas bueno. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer le chemin en terre ici. Et on va essayer de placer quoi ce... On va voir si ça suffit. Évacuation de l'eau. Voilà, c'est parfait. Bon là ça va faire des têtes par contre hein. Et voilà. Donc pour contrecarrer cet effet un peu dark, on va poser ça. Je suis vraiment désolé. J'ai une voix de très difficile aujourd'hui. Je suis enrhumé, je suis malade. C'est pas très grave. On va essayer quand même de continuer ce let's play dans les difficultés qui nous sont imposées. Voilà. Donc là, vous voyez, là ça me va pas. Il n'y a pas de parc, y a rien. Ah, j'aime pas quand il n'y a pas de parc. Ouh. Oh, c'est devenu tout vert là, c'est... En tout cas, la ville me plaît. Hein. Et je vous ai pas dit. Oh, je vous ai pas montré. Vous savez ce qui nous manquait la dernière fois? Regardez. On va tourner progressivement. Oh, oh c'est quoi? Eh bien, vous vous rappelez de la ville de départ? Eh bah oui, j'ai avancé de l'autre côté. Alors, se débrouille bien. 55 000 habitants. Ici, on est à 20 000 hein, dans cette ville. Là-bas, ils sont 55 000. Et il y a de l'économie, il y a... Y a un bordel pas possible, c'est dingue. Ça a avancé beaucoup plus que pendant les premiers épisodes de Let's Play. Et c'est méga bueno parce que ça fonctionne vraiment bien, quoi, la ville qui est là-bas. Là, on peut voir qu'il y a plusieurs bâtiments qui se construisent. Là, on voit de l'évacuation, pourquoi il n'y a personne. D'accord. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que, regardez, bah, du coup... Et voilà, on peut détruire ça. Et sans problème, ça a tout détruit et du coup on va se retrouver plus qu'avec une station d'épuration et du coup on va gagner un peu plus d'argent parce qu'il n'y a pas de... Parce que ça nous coûtait 100 simsflouz par heure. Donc là on nous dit qu'il nous manque de l'eau. C'est possible. Donc là je suis en train de regarder parce que là ça risque d'être chaud. Parce que là, le sol est pollué. Il faut nous poser sur quelque chose, sur un endroit où il y a de l'eau. Ah bah voilà. Regardez, on va jouer ça facile. Voilà. Et très facile, hein, là. On cherche pas à se compliquer la mise. Hop. Par contre, l'épisode ne durera pas aussi longtemps que le dernier, c'est fait exprès. Puisque je n'ai pas le temps ce soir de tout gérer. Et il est un peu enregistré malheureusement au dernier moment. Là je placerai bien une centrale nucléaire quand même. Pour le moment c'est qu'on va en acheter à l'autre ville. Parce que du coup de l'autre côté moi j'ai une centrale nucléaire là qu'on peut voir ici. Donc on va acheter de l'électricité. Juste ce qu'il nous faut. Avant qu'on place une centrale nucléaire ici ou là-bas. Ici. Je verrais bien une centrale nucléaire ici. Regardez, on va faire le chemin déjà. Comme ça, on n'aura pas à le refaire après. Hop. Hop. Et voilà, et on pourra placer la centrale nucléaire. Alors, on va regarder les terrains qu'il y a à détruire. Il y a une ruine, elle est juste en face de moi.
C'est parfait. Regardez le nombre de personnes qui se déplacent dans la rue. C'est ouf. Je trouve ce jeu magnifique. Il est juste super beau. Enfin, et là, il est pas à fond. Voilà, c'est... On peut difficilement, après les problèmes de serveur réglés, on peut difficilement cracher dessus. Donc là, on voit qu'on est à 144 000, l'argent augmente super vite. Et les habitants, un peu moins par contre, puisque on n'a pas forcément tout géré. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que tout le monde soit dans le vert. Donc on va placer les derniers parcs les plus importants. Pas forcément des gros, cette fois-ci du coup. Mais voilà, des petits qu'on peut améliorer par derrière. Voilà. Et tant que ça augmente, bah c'est le but recherché, donc voilà. Un petit par là. Et ça met tout le monde dans le vert. Alors ici, on va voir. Ici manque quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on a placé ça du coup. Donc on va en placer un juste ici. Pour rattraper le coup. Voilà. Ici, là c'est parce qu'il y a ça. Donc ici. Hop. Ouh. Toujours pas. Encore un. Voilà. Ça devrait le faire. C'est bon. Donc à la suite de ça, ici, pourquoi eux ne sont pas dans le vert alors qu'il y a un parc juste à côté? Je sais pas. En tout cas, ils me semblent plutôt contents sur la majorité de la ville. Donc c'est bon. Si là l'eau commence à pomper, on va pouvoir supprimer les châteaux d'eau. Qui sont une dépense inutile, hein, je le rappelle. Voilà. Et du coup, on va devoir malheureusement placer la centrale nucléaire. Puisque on va se retrouver avec un manque évident d'argent. Hop, j'ai raté un truc. Enfin, un manque d'argent. Puisque. Enfin, j'achetais à côté, mais. Enfin, je me comprends, quoi. Et du coup voilà, ça par contre là ça a fait baisser le niveau. On va essayer de voir. Ça reste correct. Ça reste plutôt correct. Et on peut juste rattraper le coup, regardez. Voilà. Voilà, c'est comme ça, hein. ça joue toujours comme ça, c'est un ajustement toujours. Et là, regardez, naturel 2. Voilà. On a de l'argent, on en profite. Hein. On se fait plaisir. On a le droit de fleurir notre ville. Merde. Là, ici, il y a de la pollution. On met des arbres. On met des arbres. Ça va rattraper le coup. Et c'est pas une blague. Hein. Ça va vraiment rattraper la pollution. Voilà. Moi je trouve qu'elle commence à faire jolie cette ville quand même. Pas vous? Dites-moi en commentaire si elle vous plaît. Voilà, on est quand même à 9120 par heure, hein, faut le dire. Par contre, voilà. Le seul problème, c'est que vous avez vu, on a besoin d'eau et de façon très importante pour alimenter la centrale électrique. Donc du coup, je pose un deuxième bidon d'eau pour la station de pompage. Et ça résout immédiatement le problème. Voilà, parce qu'il y a de l'eau qui va directement à la station. Hop, ici. Alors, du niveau scolaire. On a des classes qui sont pleines. Ça m'étonne pas. Ça... Donc, ce qu'on va faire, c'est que on n'a pas encore le nombre d'élèves maximum qu'il faudrait. Donc, on va placer un centre universitaire. Un endroit où il y a quasiment rien. C'est-à-dire... ici. Voilà, c'est bien ça. Après, il y a les buildings qui vont monter, et après, ça va être vraiment plus intéressant à jouer.
Enfin, ça se verra après. Vous voyez, là, on a une petite toile. Au final, ça nous a... on a toute la ville, là, le rond central, et là, tout un polygone autour. Polygone. Ouais. Quelque chose de géométrique. Donc on va essayer de voir comment on peut augmenter tout ça. Sachant qu'on gagne pas mal d'argent par heure. Alors. Ah oui, on va essayer aussi de régler les problèmes. Parce que là, du point de vue scolaire, il va manquer des classes. Beaucoup de classes. Donc ça rajoute combien? 500, ça? Le seul truc chiant, c'est que ça se place pas là. Bon, on va les placer là. Voilà. Donc toutes les salles sont à côté. C'est pas très loin et ça peut accueillir... Ah mais j'en ai placé trop. Je suis débile, moi. Je pensais qu'il... bon, c'est pas... Voilà. Et du coup, de notre côté, on profite des ministères qu'il y a dans l'autre région. Je sais plus lesquels j'ai mis. Je sais plus si j'ai mis la sécurité ou pas. Donc je vous propose qu'on place la sécurité. Voilà, on va placer la sécurité. Je sais plus si c'est ce que je devais faire ou pas. Parce que le tourisme m'intéresse. Mais eux, ils me demandent des... Bon, on va mettre des voitures. C'est un poste, ça, par contre. Donc, c'est pas très intéressant. Il faudra qu'on essaye de placer un commissariat. Alors. Dans les pompiers, bah, y a besoin de rien. Attendez, par contre, on va se placer là pour voir le... Voilà, police. Ça, c'est un hosto, par contre. C'est... Ah non, c'est une clinique. Ah, donc il faudrait qu'on essaye de mettre un hôpital. On va regarder par rapport aux dettes. On a encore 3 dettes, mais qui sont pas très importantes. Alors, ensuite, dans les pompiers, on a une caserne très simple. Oh, regardez ce monde qui fructue. C'est ouf. Donc, ce qu'on va faire pour régler ce petit problème de route très important. Hop. Ah oui, parce qu'il n'y a pas de... Ah oui. Il doit pas y avoir de bus ici. Attendez, on va regarder. Est-ce qu'on a mis un bus au moins? Hop, bus, 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 bus. Voilà, on n'a pas de bus jusqu'ici. Ça serait bien qu'ils viennent en bus, quoi. Plutôt que de venir en voiture, ça pollue, hein. Voilà, le niveau de pollution de l'air augmente. Ah, mais ici, on n'a pas de bus. Quelle petite erreur. Voilà. Hop, on regarde si c'est bon. Et ça colle bien. Donc là, on a aussi notre tram. Les trams, j'ai un peu plus testé sur l'autre ville, puisqu'il y a des trams partout dans l'autre ville qui circulent. C'est vrai que c'est intéressant à jouer, le tram. Bon, autant vous dire qu'il faut pas mettre toute votre ville avec des trams. C'est assez... C'est balèze, hein, c'est mastoc. Hein. Mais ça peut être intéressant d'avoir une ville avec certains... Et voilà, je place l'hôpital. Donc ça, par contre, l'hôpital, ça va être vraiment plus intéressant quand même. Là, puisque ça va régler quelques soucis de germes. Du coup, on va avoir une population qui sera un peu plus intéressée. Voilà. Puisqu'on peut voir un peu partout. Burk, ses germes, c'est dégoûtant. Voilà. Voilà, on peut voir qu'il va falloir régler ses problèmes de germes. Et pourquoi il y a autant de pollution de l'air, je ne sais pas. On va essayer de régler ça.
Excusez-moi, j'ai un peu de mal à parler ce soir. Donc en tout cas, on aura bien avancé dans cette fois-ci. On aura réglé pas mal de problèmes. Et on aura vu certains bâtiments se construire, qui sont plutôt intéressants. C'est des buildings, donc c'est toujours intéressant à regarder. Sachant que là, ça bouchonne un peu, il faudra peut-être placer une allée là de tram. On verra. Donc en tout cas, si ce petit épisode t'aura plu, tu peux laisser un j'aime, un commentaire. Allez voir les dernières vidéos, les vidéos qui arriveront la semaine prochaine aussi, les prochaines. On pourra vraiment avancer dans la région, voir si on peut commencer le projet, le site de chantier. En tout cas, je te dis à très bientôt, porte-toi bien, ciao bye bye, c'est Datech, à la semaine prochaine.